qu'est-ce qu'on fait, Doudou ? On va faire un challenge où on va choisir le magasin qu'on veut si on réussit Color Addict. Ah ! Alors, je sais pas si vous vous souvenez, on avait reçu ce petit jeu de cartes du site cartamundi.com. Donc là, c'était la catégorie drôle de jeu. On avait déjà joué, nous, à Mimique la ferme avec papa. C'était un jeu où il fallait mimer les expressions des animaux sur les cartes pour essayer de faire des petites familles. On avait adoré. Et là, on avait aussi reçu le Color Addict Kids. Pourquoi tu lèves le doigt ? Parce qu'en fait, on avait joué deux fois à ce jeu. Oui, on a déjà joué à ce jeu. Alors, c'est pour les enfants à partir de 3 ans. C'est super bien, super drôle. C'est fabriqué en France. En plus, toi, t'as 5 ans, donc tu peux largement jouer. Mais on va pimenter la chose. On va faire 3 parties. Voilà. Si Ellie remporte au moins 2 parties, elle pourra choisir le jouet. Elle pourra choisir le jouet. En fait, j'ai dit le jouet, mais peut-être pas. Elle pourra choisir l'objet qu'elle veut dans le magasin qu'elle veut. T'aimerais bien ça, hein ? Sauf que si elle perd et que si c'est Mamounette qui gagne, je pourrais choisir l'objet que je veux dans le magasin que je veux. Bon, on vous explique tout de suite les règles après le... Et on va voir qui va pouvoir s'acheter ce qu'il veut dans le magasin qu'il veut. Bon, je vous explique les règles, c'est très simple. On a un petit jeu de cartes avec à l'intérieur 44 cartes. C'est beaucoup ou pas ? Mmh. Tu vas t'user le menton, Ellie. T'auras plus de menton après. Tu peux me raconter comment t'es revenue de l'école tout à l'heure ? Qu'est-ce que tu avais sous le menton ? En fait, je me suis écrit dessus. Je me suis colorié le menton tout en bleu. Ellie, elle était toute bleue. Je me suis dit, bah, oh, elle s'est fait mal, elle a un bleu. Non, 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 que nenni, c'était du feutre. Enfin bon, je vous explique les règles tout de suite. Donc, nous avons ces fameuses 44 cartes. Nous avons 5 couleurs différentes sur ces cartes. Alors, je vous approche. Il y a du bleu, du rouge, du vert, du rose et du jaune. Je vais en trouver un peu pas, vous allez le voir passer. Il y a du jaune, il y a du jaune. Voilà. Nous avons 5 couleurs différentes et 8 formes différentes à chaque fois. Alors regardez, ici, qu'est-ce que c'est, Doudou ? Une étoile. Une étoile. Ici, vous avez... Un carré. Un carré. Ici, c'est... Un triangle. Alors, attends. Hop, et ça, qu'est-ce que c'est ? Un triangle avec un rond dessus. Voilà, c'est encore une forme différente. Vous avez également des cartes joker. Là, nous avons la forme. Le rond. Et ça, c'est quoi, Doudou ? C'est des barres. C'est 2 tresses. On dirait un égal. Vous savez, comme en mathématiques. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? On dirait des barres de chocolat. Des barres de chocolat. Vous avez également... Des croix. La croix et... Le cœur. Le cœur de l'amour. Vous avez, il me semble, 4 cartes joker. Je jette un œil sur la notice. Bon, alors très bien. Nous avons ces 44 cartes. On va les mettre toutes dans le même sens. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc, une partie, 15 minutes. Ça dépend, on verra. On va faire la première manche déjà tout de suite. Je vous lis vite fait la règle. Alors, on distribue 6 cartes à chaque joueur. Le reste... C'est une pioche. Le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes et qu'il ne nous en reste plus. Le premier joueur dépose une carte face visible au centre de la table. Le suivant devra poser une carte de la même couleur ou de la même forme. S'il ne peut pas poser de carte, il piochera. En cas de bonne pioche, il posera directement sa carte. La carte joker permet de changer de couleur ou de forme à n'importe quel moment et se pose sur n'importe quelle carte. Ça, c'est super, hein. Vive les jokers! Qui c'est qui aime les jokers? C'est moi! Non, moi! Le joueur annonce la couleur et la forme qu'il souhaite jouer quand il a posé sa carte joker. Le premier joueur qui n'a plus de carte en main a gagné la partie. Bon, vous avez compris, c'est pas compliqué. On mélange les cartes. Je t'ai vu là distribuer n'importe comment. Mais j'ai pas regardé. Je sais que t'as pas regardé, mais bon. Ellie, sa spécialité, c'est de se distribuer un petit joker. Hein ? Mais pas de mal, ça mange pas de pain. Bon, première manche.
Je distribue 6 cartes à chacun. 2, 3, 4, 5, 6. Et hop, on a la pioche. Et on retourne une carte pour savoir ce qu'il va falloir jouer. Regardez ce qu'il va falloir jouer. La croix ou du rouge. Allez, c'est la plus petite qui commence. C'est parti. Vous allez très vite comprendre. Donc là, nous avons la croix rouge. Qu'est-ce qu'elle pose, Ellie? La croix bleue, parfait. Donc moi, je peux jouer soit du bleu, soit une croix. Soit un joker, si j'en ai un. Bleu. Moi, j'ai posé un triangle bleu. Je veux voir. Triangle vert pour Ellie. Ça change très vite de couleur. Hop, un carré vert. Une étoile verte. Ah, une étoile rouge. Une étoile rose. Oh, une étoile rose, une étoile rose. Ah, j'ai pas de rose, j'ai pas de rose. Je ne peux pas le dire. Un joker. Mais non! Regarde ta carte! Mais non, Doudou! Tricheuse! Je veux du jaune! D'accord. T'en as pas! Alors elle pioche, si là elle avait eu du jaune, elle l'aurait pu la poser directement. Bon, à moi! Carte! Je la sens bien cette petite manche. Suspense! Tu es obligée de piocher! À moi! Bon, je suis coincée moi aussi! À toi! Merci. Qu'est-ce que tu veux? Ellie a pioché un joker. Du bleu. Du bleu. Bim! Carte encore. Ah! À toi. Bim. À toi. Carte. Je suis dégoûtée. Ah! T'as gagné! Ah! Bon, bah, c'est mal parti, mais ça veut rien dire, je peux me refaire. Tout se joue à cette manche-là. Si tu gagnes cette manche-ci, on choisit direct l'objet que tu veux dans le magasin que tu veux. C'est toi qui as gagné. C'est toi qui as gagné de tout. Si c'est moi qui remporte cette manche, le suspense perdure. J'avais 10 cartes avant de dire, avant de poser le truc. J'ai des cartes et après j'ai posé. Et t'as gagné. Et tu m'as éclaté. Marcelie. Bon, allez, c'est parti. On distribue à nouveau 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Ah, 6. Tu me triches. Marie, c'est toi qui m'as donné 6. Ici, on a la pioche et là, on a la carte égale jaune. On regarde toutes nos cartes. Tu triches pas, tu regardes pas mes cartes. Est-ce qu'ils nous disent si c'est les plus petits qui commencent? Non, ils disent pas. Le premier joueur dépose une carte. Non, on choisit qui commence. Comme je suis hyper sympa, je vais laisser jouer Ellie en premier, comme d'habitude. C'est bon, t'as tout classé, mon doudou? Pas des cartes. Ah bah non, je peux pas les voir là. Non, je peux pas les voir, ça c'est sûr. Allez, vas-y. Égal jaune. Soit du jaune, soit le signe égal. Hop là. Ok, elle a du jaune. Moi aussi. Petite croix jaune. Bam. Bam. Ok, elle a posé un joker direct. Oui. Tu veux du rouge? Eh ben, j'en ai pas. Je vous montre vite fait, j'en ai pas. J'ai du... On est mieux. Et non, pas de rouge, encore du bleu. Toi. T'as demandé du rouge, hein, je te signale. Bah si tu me la poses à l'envers, on va avoir du mal à trouver. Triangle rouge. Alors est-ce que j'ai un triangle? Non, bien sûr, j'ai toutes les formes sauf le triangle. Et là, vu que je peux poser que c'est la bonne couleur, hop, c'est parti. Bam. Ok, un carré avec un rond. Et j'en ai une. Bleu. Ok, elle en a une rose. Rose, 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 rose. Bim. Ah, elle m'a assassiné avec un joker à la fin, mais je suis dégoûtée. Ça y est, c'est fini. Oui. T'as gagné. Oui. Non, mais alors là, elle a une chance au jeu. Alors moi, je suis hyper chanceuse au jeu. C'est vrai, hein. C'est vrai que je suis hyper chanceuse, mais Ellie est encore plus chanceuse que moi. Bon, puisque tu as gagné, mon amour, tu vas pouvoir choisir l'objet que tu veux dans le magasin que tu veux. Je ne t'influencerai pas en te disant que j'ai besoin de quelques petits produits chez Sephora.
ou chez, je sais pas, un Claire. Magasin de vêtements, ou Claire, oui, bon, Claire, c'est plus pour les petites filles quand même. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais là tout de suite? Je vous dis pas le jouet. Ah, tu veux un jouet? Oui. Tu veux aller dans quel magasin de jouets, mon amour? Je ne sais pas. Alors, le plus proche, c'est... Jouet Club. Jouet Club, c'est vrai que c'est le plus proche de chez nous. Et maman, elle n'a pas envie de faire 50 km. C'est pas vrai? Si, c'est vrai, elle me connaît. Bon, bah alors, il va falloir que je te suive à Jouet Club et tu vas pouvoir choisir un produit. Je vais prendre mon vélo et je vais... Tu vas en vélo? Oui. D'accord, parce qu'il pleut dehors. Tu vas être mouillée. Bon, on va prendre ma voiture et je vais l'emmener chez Jouet Club. Et après, on se retrouve tout de suite pour voir ce qu'elle a choisi, cette coquinoute. A tout de suite. Et nous revoici, les petits copains, les petites copines. Alors, j'avais promis à Ellie qu'elle pouvait choisir ce qu'elle veut dans le magasin qu'elle voulait. J'ai choisi un jouet. Chez Jouet Club. Oui, et j'ai choisi un Barbie. Elle s'occupe des bébés. Alors, elle est infirmière puéricultrice, je pense. C'est Barbie docteur. Regardez, hop, les petits bébés. Il y a une sorte de table allongée. Barbie blonde avec son stéthoscope et tout. Il y a un bébé blond et un bébé beige. Brun. Les cheveux foncés. Alors oui, on est mal coiffé, on s'est pris la pluie. Et il a failli s'endormir dans la voiture alors que le magasin doit se situer à 5 minutes. C'est compliqué, hein? Bon, en attendant que Ellie ouvre son petit colis, je voulais vous rappeler ce petit jeu Color Addict Kids. Alors, il est super bien. Hein, franchement, Doudou, il est génial. Alors, pour les enfants et tout, Ellie, elle a compris tout de suite. Il existe aussi tout un tas de jeux. Alors, dans cette même gamme, il me semble, voilà, il y a le Color Addict pour les adultes. Voilà, même pour les grands enfants, hein, on va dire. Il y a le Color Addict Fruity, le Color Addict Deluxe. Super! Alors franchement, et puis il y a tout un tas d'autres jeux. Je vous invite à aller aussi. Ils ont une page Facebook. Regardez, je vous mets là. Hop! Tadam! Alors, doudou, ciseaux, mamounette. Alors, on coupe tout. La petite Barbie n'est pas libre. On coupe tout. On vous montre vite fait et comme ça, Ellie pourra jouer. Waouh, c'est la petite table allongée avec tout. Alors, là, on a le truc pour poser la truc. On a dit, on pose les petits trucs. Là, on est terminé. Un petit pouce-pouce pour laver, il me semble. Là, on a le tout petit biberon. Comme il y a deux bébés, il y a deux... Petit titi. Deux biberons. Eh ben oui. Alors, oh là là, chez Mattel, ils emballent bien. Hop, il n'y a rien qui va bouger. Alors ensuite, hop, libérer les bébés. Délivrer les jolis petits bébés. Regardez, ils arrivent dans des petits berceaux trop mignons. Regardez, ils font leur dodo avec une petite serviette et ils sont en couche. Trop chou. Et on a le petit bébé blond. Trop chou. Pareil, une petite serviette. Bon, qui tient avec un petit élastique qu'on va enlever tout de suite. Et là, une petite couche. Oh, trop chou. Ils sont tout articulés, ces petits bébés. Là. On va le remettre dans son petit berceau. Alors, c'est quand même vachement bien hein, de gagner maman en jeu. Oui. Oui. On va libérer Barbie docteur. Barbie docteur. Oh, mais c'est trop fort. Alors là, elle a vraiment l'habit du docteur. Tout ça, la petite tunique. Bon, c'est assez cintré. Hein. C'est vrai que dans le milieu médical, c'est pas aussi près du corps quand même les vêtements. Elle a même les petits sabots d'infirmier. Regardez, je vous montre. Hop, trop chou, les petits sabots en plastique. Voilà. Sors pas de prix. Elle a son petit stéthoscope. Trop bien. Franchement, elle est super sympa. Regardez comme c'est chouette. Ça fait les petites étagères. Ici, on a un petit panier pour mettre les petits accessoires. Bon, c'est des fausses roulettes. Ça ne roule pas vraiment, par contre. Et là, ici, on a la petite table allongée avec le petit mobile pour occuper les bébés pendant qu'on prend soin d'eux. Donne-moi, c'est mon truc. Voilà. Et ensuite, on peut mettre les deux petits berceaux. Regardez, hop, ici, il y a deux petites encoches pour que ça ne bouge pas. Comme ceci et comme ceci. Et là, on peut prendre soin des jumeaux. Et des petits copains. Puis, elle met un pouce bleu, regarde. Elle laisse
commentaire si c'est possible sur son calepin. Et elle partage, et elle partage. Et on va se laisser sur les Color Addict Kids. Et on vous fait des gros bisous. Ah, Color Addict Kids, Color Addict Kids, Color Addict Kids. We'll be right back.